Bonjour. Ceci est le cinquième épisode de la série de vidéos sur l'histoire de la France pendant l'époque victorienne. Dans les épisodes précédents, nous avons vu la chute de l'Empire britannique, battue à 3 reprises par la France. Nous avons assisté à l'expansion française en Afrique, via la colonisation et l'annexion. Enfin, nous avons constaté que la France s'est essayée diplomatiquement en soutenant les États-Unis d'Amérique. Des relations étendues au Brésil, qui sera incorporé de sa propre volonté au marché français. C'est d'ailleurs ce dernier qui combattra aux côtés de la France, lors du premier conflit mondial en 1887. La République française, forte de ses dernières victoires en Afrique et aux Amériques, a prouvé à tous sa suprématie militaire, et souhaite à présent démontrer qu'elle reste une nation capable d'innovation et d'exploration. C'est pourquoi la République française décide de lancer 3 grands projets. Le premier a été l'arpentage de l'ensemble des territoires français, qui sera fait en à peine 1 an, et qui a eu pour but de trouver un emplacement pour y construire des bâtiments expérimentaux, qui seront nommés gratte-ciel. Ce nom a été trouvé car la pollution générée par les usines fait le même effet que du poil à gratter au ciel français, et pouvoir le gratter le soulagerait de cette démangeaison. C'est finalement Paris qui sera choisi pour y accueillir le premier gratte-ciel mondial. Le deuxième projet concerne la grande exposition, qui sera également organisée à Paris mais 5 ans plus tard, en 1889, pour se la péter aux yeux de tous. Et comme cette exposition nécessite d'exposer des trucs, le troisième projet fut une expédition sur les fleuves du Niger et du Nil, qui seront financés sous la directive du général Michel Bourbaki, afin d'y trouver des trucs à exposer. Finalement, après 5 ans d'exploration, un film concernant la vie sauvage sur le Niger sera diffusé. C'est tout. Une grande exposition, qui sera très appréciée à l'international, et la France y gagnera fortement en prestige. Ce qui est paradoxal quand on sait que la France, lors de cette exposition, était en guerre, face à la Tripolitaine, l'Égypte, la Russie et l'Empire ottoman. Cette dernière commença quelques mois avant l'exposition, en juillet 1887, suite à l'annonce de l'annexion de territoires tripolitains par la France. Une guerre particulièrement difficile, due à un net désavantage numérique, qui verra la France jouer des coups stratégiques magistraux, notamment par l'invasion navale surprise de Saint-Pétersbourg, qui forcera la Russie à capituler en second, après l'Égypte, qui concéda un territoire en Sinaï et la libération de l'Israël. La Russie, elle, concéda les objectifs de guerre suivants. Le port de traité en Ingrie, à côté de la capitale russe. Elle concédera les territoires africains du Sahara. La France forcera la libération de l'Ukraine, qui affaiblira considérablement la Russie, et des réparations de guerre. Voyant ce débâcle, l'Empire ottoman abandonnera rapidement la guerre, et la région de Tripoli sera donnée aux Français. Et pour les curieux, sachez que le Brésil ne fit que figuration. Tout se passait très bien pour la France, qui pendant cette guerre a organisé sa première élection ouverte au vote des femmes. Dans les années qui suivirent, le calme revint, et la France n'avait qu'à lever le doigt pour obtenir des terres en Afrique. Hélas, tout bascula en 1895, lors de la conquête du Congo. Ce pays s'est placé sous la protection italienne, et la France n'accepte pas la situation. La République française exige que le Congo devienne un sujet français, car il est en Afrique. Mais la demande est refusée par l'Italie. Coup de théâtre, le Brésil ne soutient plus la France, met un terme à leur alliance et quitte même le marché français. Les ennemis de la France sont rejoints par la Russie, la Belgique et la Grande-Bretagne. Bien que nombreux, les armées de ces pays sont plus faibles que les armées françaises. Finalement, l'Italie renonce et cède le Congo à la France. Cependant, le mal est fait. La France a perdu le soutien brésilien et elle est fortement énervée. Dans sa colère, la République française souhaite protéger l'Égypte, qui n'a d'autre choix que d'accepter, en envoyant 700 000 soldats français prêts à débarquer. La goutte d'eau qui fera déborder le vase sera versée en 1901. La France, las de devoir aider la Libéria dans des guerres internes, leur ordonna d'être intégrée à ses territoires. Ces derniers refuseront et feront appel aux États-Unis d'Amérique. Une surprise. La France maintenait pourtant de bonnes relations avec ces derniers. Une erreur qu'ils ne pourront plus commettre de nouveau, car les forces françaises traverseront l'Atlantique et déchaîneront leur colère en Amérique.
Les États-Unis durent libérer les territoires indiens, la Nouvelle-Afrique et la Nouvelle-Angleterre. Le mal est doublement fait. La France ne fait plus à présent confiance à personne, hormis ses alliés marocains, algériens et Sokoto. De nombreuses missives seront envoyées intimant la soumission ou le transfert de certaines régions d'Afrique. Ses revendications sont appuyées par sa force militaire, mais aussi grâce à sa force économique. En effet, le PIB français atteindra le chiffre symbolique du milliard de pounds par semaine en fin 1901, en partie grâce à la dernière mesure prise par le gouvernement. Il s'agit d'une mesure qui vise à développer le PIB, l'emploi et le bonheur des Français. Pour cela, plusieurs centaines de cultures de vin ont été créées partout en France. Fin 1901, on dénombrait déjà près de 800 cultures de vin pour environ 4 160 000 travailleurs. On notera par ailleurs qu'à cette époque, plusieurs provinces françaises produisaient autant de PIB que l'ensemble de la Grande-Bretagne, voire plus. Nous prendrons l'exemple de la Normandie, qui produisait un PIB proche de 100 millions, pour à peine plus de 40 millions pour les Britanniques. Surpuissante, la France a le champ libre de faire ce qu'elle veut en Afrique. Il ne lui reste plus qu'à conquérir l'Est avec la région de l'Éthiopie. L'invasion commença en 1910 et finira en 1914, date à laquelle la République française se voit ralentie. En effet, tous ses objectifs de guerre sont acceptés, mais un seul à la fois. Ainsi, la France ne peut récupérer qu'un territoire en Afrique tous les 5 ans. Cette situation ne va pas plaire du tout au gouvernement français. En effet, l'objectif est de conquérir l'ensemble de l'Afrique avant 1934, et à ce rythme-là, ce ne sera pas possible. Les territoires britanniques et portugais sont nombreux, la France doit trouver une stratégie. Mais que faire? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Nous verrons comment certains pays tenteront de se soulever contre la menace française, comme l'Espagne, le Japon, la Corée, la Scandinavie, la Prusse, la Russie, les Indes et bien d'autres. Face à cette union mondiale, la France arrivera-t-elle à survivre? Et arrivera-t-elle aussi à accomplir l'objectif du dernier roi de France? L'Afrique deviendra-t-elle bleue? Ou la France devra-t-elle accepter une paix humiliante, comme presque 100 ans auparavant avec les défaites napoléoniennes? Je vous remercie d'avoir suivi cette instruction, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons vendredi prochain 15h pour le dernier épisode de cette série.